Voilà. Aimez-vous Piment Matati. J'ai pas vu le film encore, mais ouais, c'est le petit fond. Merci. C'est un groupe qui a voté ça ou c'est une seule personne qui a voté? C'est une personne. Et vous serez que moi. David Bell. Et lui c'est le maître. Ouais, en fait c'est le maître, enfin c'est surtout parce que lui c'est le premier. C'est lui, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, c'est celui qui a le plus d'expérience quoi. Non, lui ça vient. En fait ça vient de son père. Mon père qui est né au Vietnam, qui a bougé là-bas, et qui lui a donné envie de bouger. Et puis lui en fait tout seul il a formé Yamakasi, il nous a formé nous. Et pourquoi vous avez voulu faire là-bas, ça Pourquoi? Parce qu'en fait on a essayé plein de sports, on a essayé plein de trucs, et puis jusqu'au moment où j'ai trouvé le parcours, et puis j'ai dit c'est ça que je veux faire. Vous avez des problèmes avec la police et tout des fois? Bon, un peu, ouais. Comme tout à l'heure. En fait non, parce que là il y a pas de structure, il n'y a pas d'association, il n'y a rien, donc on est dehors. Là en fait tu vois c'est le début du sport, il est en train de naître. Donc là on est en train de développer les techniques, on est en train de le faire connaître, on est en train de créer un niveau. Donc là c'est le début en fait, tu vois. C'est le commencement quoi. Ouais c'est le commencement. C'est comme les arts martiaux au début, tu vois, t'as eu les premiers. Et là maintenant tu peux tourner avec les Jackie Chan, les Jackie, tu vois, ça fait des années quoi. Maintenant c'est le début, on est les pionniers. Ouais. Chez nous on a deux filles. Ça va, elle bouge bien. Le film. Ah, le vrai. Voilà. Enfin pas un documentaire, mais en fait ce qui met un film qui mettra en avant l'art qu'on fait et pas nos têtes quoi, tu vois. On s'en fout de ce qu'on va faire, c'est le parcours, c'est le mec qui bouge, c'est l'action, c'est le mouvement. Le vrai nom, c'est le parcours. Ouais. En fait vous qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de nous rencontrer ou de voir ce que c'était ou... On est coincé, c'est là-bas. Est-ce que ça vous plaît ou... Je sais pas, quand les policiers sont coincés, ils s'échappent. Et en dehors de ça. En dehors de ça, parce que les policiers ils te cherchent pas tous les jours quand même. On peut dire que c'est des gens, par des gars qui veulent te raqueter, tu montes partout, c'est bon. Pas d'attraper. Si tu t'entraînes que pour ça, ça va pas durer. Imagine que c'est l'inverse. Imagine que les gars du parcours ou les gars qui font ça deviennent des policiers. Ah bah les marques. Parce qu'on a déjà eu des demandes, hein, les gars et tout ça. Encore d'un an. Ah ouais, faut pas.